Bonjour les amis, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour savoir ce qui va vous attendre la semaine prochaine, dans les 10 jours, hein? On va dire jusqu'à la fin du mois. D'accord? Bon. Donc, vous allez choisir trois numéros. Oui, non, je n'ai pas trouvé des objets. Donc, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà. Et suivant le numéro que vous allez choisir, eh bien, vous saurez ce qui vous attend. Donc, je vais changer un petit peu la caméra de façon à ce que vous puissiez voir les cartes, évidemment. Voilà. Alors, le tas numéro 1, je ne regarde pas la coupe, hein. Le 2, 3. On va prendre l'oracle des expressions. Et puis, le béline que j'ai oublié. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée de ce qui va arriver. Voilà. Donc, choisissez bien, hein. Voilà. Alors, ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, oh, il y a un problème. Ah oui, c'est curieux. Il y a une liberté. On vous offre quelque chose, mais ça passe par une ruine. Bon, bah alors là, ce qui me vient tout de suite en tête, je vous montre les cartes, c'est qu'il y a quelque chose qui s'écroule, mais cet écroulement, vous avez ici, eh bien, vous apporte la liberté. Et également, comme un cadeau. Voilà. Donc, je laisse un petit peu les hypothèses ouvertes, hein. De façon à ne pas trop vous orienter dans une seule direction. Donc, quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose s'écroule, qui vous apporte la liberté et en même temps également quelque chose comme un cadeau ou un avantage. Donc, finalement, un mal pour un bien. Donc, c'est pas si mal. OK? Le deuxième. Alors, je vous montre les cartes quand même parce qu'elles sont amusantes, je trouve. Enfin, celle où c'est marqué avoir des oursins dans la poche, c'est des questions d'argent là. C'est quand on ne veut pas donner des sous. Donc, sagesse, on ne veut pas donner des sous et défense, protection. Bon, ben là, il y a des choses financières, à mon avis, que vous attendez, mais vous n'aurez pas autant que vous voudriez avoir. Donc, soit il y a une rentrée d'argent qui n'est pas celle que vous attendez. Soit c'est dans l'autre sens, c'est vous qui n'avez pas envie de débourser de l'argent. Donc vous allez faire preuve de sagesse et vous protéger pour faire attention à vos sous. Donc ça peut marcher dans les deux sens, hein, d'accord? Donc c'est vraiment des questions financières. Soit vous ne recevez pas assez, donc on ne vous donne pas ce que vous voudriez. Ou soit vous allez au contraire, eh bien, faire preuve de sagesse et ne pas débourser ce que vous voudriez que ce que les autres voudraient que vous déboursiez et pour vous protéger. Voilà. Et vous allez ainsi donc vous protéger à ce sujet. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être plein de choses. Donc là aussi, je laisse un petit peu les potentialités. Mais pour l'instant, c'est deux tas qui ne sont pas mauvais, hein. Alors le troisième. Ah oui. Oh bah alors là. Je pense que. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, non, c'est pas mal. Hein. Voilà. Vous avez. Les histoires de partir ici. Voilà, déménagement, mouvement, déplacement, départ. On fait ses cartons. On va se faire voir chez les Grecs. Et on a de l'argent. C'est curieux. J'ai l'impression que la semaine prochaine, en tout cas d'ici la fin du mois, ça va beaucoup bouger. Hein. Donc là, bah, peut-être que vous allez claquer la porte, hein, pourquoi pas, de votre employeur, qui va aller se faire voir chez les Grecs. Et vous pourriez recevoir de l'argent. Alors, bon. Vous me direz, à moins que ce soit une vente, parce qu'il y a quand même des cartons que l'on fait. C'est vrai que c'est déménagement, pourquoi pas, hein. On se débarrasse de quelque chose, on vend quelque chose. Aller se faire voir chez les Grecs, c'est quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, hein. Alors, soit par rapport au lieu de vie où vous étiez, du coup là, il y a peut-être quelqu'un que vous mettez dehors et vous récupérez de l'argent, hein. Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, gardez en tête que c'est vraiment par rapport à des questions de déplacement, de déménagement, qu'il y a des questions de départ,
mais avec la notion quand même de refus ici, et il y a de l'argent qui devrait arriver. Donc c'est pas si mal. Franchement, les trois, j'avoue que c'est pas mal. Quoi que vous choisissiez, il y a quand même des choses qui sont positives. Voilà, bah vous me direz ce qu'il en est. En tout cas, apparemment, ça va beaucoup bouger. À bientôt, je vous dis quand même au revoir. Voilà, c'est plus sympa quand même. Et puis à bientôt et bon week-end. Au revoir.